Bonjour à tous les amis, c'est DarkAngel1462. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin du DLC de Resident Evil 7, Not a Hero avec Chris Redfield. Et on s'était arrêté juste avant le gros tunnel, donc on avait récupéré la clé de Clown, etc. Et on se retrouve pour la suite et la fin. Donc c'est parti. On va finir ce DLC, peu importe le temps qu'il dure, que ce soit 20 minutes, 40 minutes ou 1 heure, on l'achève. Oui. J'ai fait de bêtises? Non. C'est des portes, ça. Chelou. Ok. Ah, peut-être là-bas, là, il n'y avait rien. Non, ah, c'est ça, je peux y aller. Oula, une grenade. Remède, remède. Oh, j'aime pas ça. Grenade. Cartouche, fusil. Oh là là, ça sent le boss direct. Ah, d'accord. Je ne vois rien. Lumière, please. Christopher, encore de ce monde, on dirait. Très impressionnant, mon ami. Très impressionnant. Voyons voir si tu peux encore m'impressionner. Oh, je pense que oui. Oh, punaise. Tiens, c'est tout. Une grenade, donc je viens de là. Oh punaise! Non, toi couché. Ça va exploser ailleurs. Ok, ok, oh punaise. Balle, 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 balle. Boum. Hey. Ah. Problème, mec. Ah, mais c'est bon, ça s'arrête quand hein? Ah, d'accord, toutes les balles qu'il a filées, en fait, c'est pour tout claquer, quoi. Peut-être que t'es bon. Peut-être que t'as du bol. Oui. Ah, vas-y. Merde. Grenade! Bougez-vous les mecs. Merde. Merde. Un demi-tour, le con. Ah, merde. Oh putain, merde. Il est où? Allez, viens, viens, viens. Trop facile. Il me casse les couilles quand même. T'es où? L'affreux. Pas crevé? De ma gueule. Combien de temps tu penses pouvoir endurer ça? Oh, c'est longtemps. Oh punaise, vite! Non, je me soigne. Ah, j'ai plus de...
Ah, j'ai plus comment raccourci. Oh putain, ils sont mauvais eux. Oh mais sérieux. On meurt raccourci, je sais plus. Putain, je suis en train de prendre une déculottée là. On se casse, on se casse, on se casse. Raccourci, 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 inventaire. Oh punaise. Comment on fait? Je ne sais plus. Merde, je suis bourré ou quoi? Non mais... En plus. Mais sérieux, pourquoi j'arrive plus à mettre en raccourci? Ah putain, ouais, voilà. Ceux-là, ils me fatiguent par contre. Mais arrête de te dégueuler, merde. Ok. Si tu veux. Ok, c'est fini, d'accord? J'ai plus rien en stock. Tu veux pas non plus que je te plaigne, du con. Je sais, j'ai fait des choses terribles. Ça me paraît trop facile. J'ai tué des hommes, je les ai torturés. Je sais que ça te fait marrer. Et j'ai apprécié chaque seconde, mon petit pote. Tout comme je vais apprécier de te voir brûler. Début du compte à rebours avant détonation. T'entends ça? J'ai l'impression que ton temps est compté. Tu veux me tuer, alors tue-moi. Mais une bonne fois pour toutes, ferme-la. Merde. J'aimerais bien rester et te regarder mourir carbonisé. La trappe ou quoi? Je peux pas. On m'attend ailleurs. Oh cool, j'ai réussi. Putain, les balaises, j'ai réussi à relever ça. J'ai repéré cette plaque en arrivant dans la pièce, je me suis dit c'est quoi? On se pète, on se pète, on se pète. Rien-toi, Chris. C'est bon, je suis vivant. On a intercepté un email que Lucas vient d'envoyer. Écoute ça. Je me suis occupé d'Umbrella et de Redfield. Tout ça m'a fait perdre du temps. Eux ont perdu bien plus. Mais je peux encore vous envoyer ces données, comme ça on sera quitte. Il croit que je suis mort. Il faut en profiter. Il a envoyé ça à qui? On est encore en train de décrypter ça. Occupe-toi de Lucas. Tiens-moi au courant. J'ai l'impression que c'est encore long ce DLC. Je ne sais pas où aller. C'est peut-être ici que Lucas faisait toutes ses expériences. Je
J'en ai ma claque de ce Lucas. Ils viennent de lui donner mon poste à la tête de recherche. Pour qui ils me prennent? Pourquoi est-ce que moi, diplômé de Stanford en microbiologie, je dois travailler sous les ordres de cet abruti? Tout ce qu'il a fait, c'est jouer avec des cobayes en les faisant se battre entre eux et réaliser des autopsies juste pour le plaisir. Ce type est un malade. Il n'a aucune idée du potentiel du mutamycète de série S. Je viens de parler de son attitude au prochain meeting avec le QG. Okay, donc en fait, il y a un mec. Oh putain! Ok, le mec a été destitué de son poste. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Hein? Je sais pas si je dois retourner en bas avec la salle avec tous les monstres. Tourner en bas, j'ai envie de tout fouiller vraiment. Le but c'est quand même pas de finir le DLC comme ça à la va-vite. Allez, alors là par contre j'ai vu un truc. Hein? Il est où? Je l'ai vu tout à l'heure. On va fouiller après. Oh la gueule du truc. On peut pas zoomer là-dessus. WM002. Ça c'est cool. Les fameuses munitions, il me les faut. .001A. .001. Ok. Je le sens pas. Il y a un truc qui va me tomber sur la tronche. Et voilà, putain, c'est quoi? Bah lui, j'avais vu. Ah bah, il y en a deux. Et l'une. Ah putain, et deux. J'ai tiré une balle à côté, putain, je suis deg. T'es normal, toi? Ouais. Je tire à côté! J'espère qu'il y a une récompense quand même là parce que ça me fait chier. Ok, un remède, on s'en fout. Non, dis pas que j'ai fait ça pour un remède. Ah non! C'est qui? Rapport sur le E001. Ah bah, ça va, Evelyn normalement. État de santé, bon, état mental, bon, sécrétion de mutamycète, normal. Note, aucun changement significatif. Elle passe son temps à jouer à la poupée. Elle a transformé deux gars en mycomorphes aujourd'hui. Rapport à peu près 20 jours après. Tout fatigue, légèrement stressé. Sécrétion de mutamycète, plus que l'habitude. Après avoir joué à la balle avec papa, elle dit a commencé à se plaindre d'être fatiguée. Elle a changé un gars en mycomorphe colosse. Ok, donc au début elle allait bien, elle transforme deux gars normalement. Là elle est fatiguée, elle est stressée, elle transforme en un mec assez puissant. Deux semaines après, état de santé mauvais, état mental stressé, mycomorphe, sécrétion élevée. Note vieillissement prématuré.
Elle vieillit tout d'un coup. Elle a perdu du poids. Ses cheveux commencent à tomber. La totale. Plus elle crie et plus elle vomit. Le sous-sol est salement contaminé. Aucune cause apparente à ce vieillissement. Je vais demander plus d'instructions. 2 semaines après. État faible mais stable. Déprimée, incohérente. Mutamycète stable. Le vieillissement a ralenti et semble plutôt stable. La compagnie nous a envoyé la nécrotoxine E. Nous avons pour ordre de l'utiliser si elle devient hors de contrôle. Et moi qui pensais être bizarre. Ok, donc en fait c'est Evelyn, je pense, c'est Evie. Et là à côté, je sais pas qui c'est par contre. Je pense que c'est Evie. Hein? Ah oui, les fameuses poupées. Donc ça c'est Evie. Ça c'est qui? Non, c'est Mia ça. C'est Evie et Mia sur la photo? Ah, peut-être Mia quand elle est partie sur le bateau avec elle, oui, je crois que c'est ça. Mais c'est choquant parce qu'ils m'ont mis des vraies photos, on dirait. Ok, tout ça pour en apprendre un peu plus sur l'histoire. Ok, on continue. On va recharger les balles. Voilà. On était ici. C'est Lucas? Lucas. C'est quoi ça? Ah d'accord, il n'y a pas de jus, non? J'aurais tapé pour abruti, on va prendre le pompe. On va courir. Oh bordel, c'est pas vrai! Oh merde! Lucas! Allez! Je veux le choper. Oh putain. Envoyer, bah là, instant, je pense. J'ai eu un petit imprévu, mais ça y est, l'affaire est réglée. Je vais envoyer les données de sérieux maintenant. Ça devrait pas être long. Ça devrait pas prendre longtemps. Une fois que tout sera transféré, je me tire d'ici, sûrement. Là, c'est parce qu'il m'a vu. Bon, je vais rien stocker. Une sauvegarde. Peut-être sauvegarder si on meurt. On va prendre une petite sauvegarde quand même. J'en étais où? On va sauvegarder ici. Un crochet, cool. Il est passé où? Je suis où là? D'accord, c'est la porte à l'entrée, ok. Donc en fait j'aurais pu arriver directement à Lucas mais c'était verrouillé. Ok, donc comment je passe là? J'ai tué tous les chercheurs des Connections. Connections. Il avait l'intention de mettre leur nez là où il ne faut pas dès que j'avais le dos tourné. Est-ce qu'il pensait vraiment me la faire à l'envers? Bah j'imagine qu'il n'aimait pas être sous mes ordres. Bref, je les ai foutus en cage avec quelques mycomorphes. Ils se sont chiés dessus et m'ont supplié de les épargner. J'espère juste que je vais être capable de garder mon sérieux quand je devrai rapporter leur mort accidentelle. C'est sûrement le bon moment pour couper les ponts avec les Connections. Je suis le seul à pouvoir vraiment profiter de la moisissure d'Evelyn. Ok, c'est un gros malade lui. Hein. Là, comment je passe? C'est pas possible. Si je me baisse. Oh putain. Voilà, abruti. J'ai utilisé un soin. Au secours. Attendez, grenade. Clé. Crochet. Ah merde. Non, mais comment je passe là? Les
sérieux le machin là? Pas une porte dans le coin? Si. Et si je coupais le courant à nouveau? Là y'a quoi? Merde, je crois que je vais te paumer avec cette merde. Y'a pas une issue là quand je regarde? Attendez, j'ai une carte non? Mais... Pourquoi il ne tire pas dessus? Il est vide. Ah bah voilà qui me facilite la tâche. Salut. Ah bah voilà la solution. Comment t'as fait pour t'en sortir? Tu devrais être mort. On a tes emails. On sait que tu balances des infos à quelqu'un. De quoi je me mêle? Ça te regarde pas, Chris. Beaucoup de gens veulent en savoir plus sur notre petite Evie. Beaucoup de gens. Tes amis, les Connections, sont au courant de tout ça? Pas sûr qu'ils soient du genre à pardonner. Ça, c'est mon problème. Laisse-moi m'occuper d'eux. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi. Merde. Oh. Joli. Impossible. Non. Non. J'arrive pas à y croire. Il va bien falloir. C'est terminé. Non. Pas question. Ferme-la et accepte ton sort, Lucas. Ah, t'aimerais bien, hein? Oh la vache. Oh, c'est donc le feu, le sang. Je crois qu'on a un petit problème. L'infection est à un stade critique. Ouais, merci, je m'en étais rendu compte. Oh, j'ai une surprise pour toi. C'est parti. Très prudent. Sans déconner, je suis au courant. Comme si j'avais pas été prudent jusqu'ici. Ah c'est clair, hein. Meuf, elle t'interprète des choses. Non mais sérieux, c'est Chris quoi. Attends, on sait très bien ce qu'il vit. Hein. Je vois rien, c'est normal. C'est dégueulasse. On va s'équiper des nouvelles balles. Hein. C'est des choses à fouiller. On prend tout. Oh putain, on se bat. Ah punaise. Salut ma couille. Ah, tu les kiffes ces balles là, hein, les ramrods. Hein. Vas-y, c'est pour moi, c'est cadeau. Putain. Moi la paix. Tiens, j'ai un cadeau moi aussi. Tâche de crever. Une fois. Je peux pas. 123 cartouches. Putain mais t'es mort mon mec. Mais t'es mort. Oups. Je crois que j'ai un petit souci.
Merci du conseil. Station d'approvisionnement en oxygène prête. Ouais, donc là c'est un contre-la-montre quoi, c'est chaud. Quoi? Non, il m'a tué. Il m'a one shot. Enfoiré. Ok, je reprends la directe. Ok, je vais peut-être garder mes balles ramrod pour après. Ah, pas grave, je suis bon. Niqué. Ah, ça m'a couillé, hein. Et c'est là qu'on s'éclate. Vite, les balles. Là-bas, j'ai pas pris. Viens là, chérie. L'air est contaminé à un niveau extrême. Tue cette créature avant que ta réserve ne s'épuise. Merci du conseil. Station d'approvisionnement. C'est quoi ça? Oxygène épuisé. Ok, c'est l'air. Bouffe-toi tout ce que j'ai, mon gars. Oh, c'est bête. Merde. Merde. Oxygène. J'ai plus beaucoup d'oxygène. Oxygène épuisé. Je l'ai eu. J'ai flingué. Oh putain, je t'ai eu, connard. Ah bah tu l'as mérité. Adieu Lucas, bah voilà, il est enfin mort ce petit Lucas, enfin j'espère. Enfin. Chris, le transfert des données est presque terminé. Comment j'arrête ça? Il doit y avoir un moyen d'éteindre le serveur. Peut-être qu'en trouvant les relais du transformateur, tu peux. C'est une bonne idée aussi, c'est pas mal. Je pense que ça marche. Tu vas me faire chialer. Quelle est la situation? L'installation est sécurisée. Même les nouvelles espèces sont neutralisées. Oh. Alors je rentre.
Ok. Tout est bien qui finit bien. Pas pour eux, malheureusement. Mais la moisissure est confinée. Espérons que ce soit les dernières victimes d'Evi. Espérons. Chris, il y a un appel pour toi. Il faut que tu reviennes au camp. Compris. C'est bon, j'arrive. Et ben voilà les amis, à mon avis ça annonce un bon Resident Evil 8, puisqu'apparemment il y a un autre groupe derrière tout ça, il y aurait des connections qui étaient en relation avec Luca Baker. Donc je pense que ça va nous permettre de lancer l'épisode 8. 1h30 quand même, hein. C'est pas mal 1h30, le petit DLC, ah, c'est quoi, mission accomplie. Succès peu fréquent débrouillé, compléter le chapitre en mode normal, ouais bah ok. Récompense en diamant, ouais si tu veux, écoute. Ok, moi je suis mort que deux fois, ça va. Hein. Parfait. Difficulté pro, ah pas mal. C'est quoi ça? Objet torse, hammer, le marteau. Un héros, ok. Ça va être une arme. Ben voilà les amis, on va cesser là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. Donc on a su enfin ce qui est arrivé à lui. Apparemment c'est Chris qui l'a tué. Espérons qu'il ne revienne pas dans le 8. Ça m'étonnerait. Et il nous reste à voir, hormis les deux, hein, le pack de DLC 2 que je trouve. Il y aura End of Zoe, évidemment, on ne sait pas ce qui est arrivé à Zoe depuis qu'on l'a électrisé avec le bateau. Donc sur ce les amis, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit plaisir. Un commentaire si vous voulez. Je suis toujours prêt à parler avec vous. Je vous dis à bientôt pour End of Zoe. Allez, ciao, bye bye.